Coucou les filles, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais tenté de faire un live sur cette pose, mais la mise au point ne se faisait pas. C'est vraiment dommage parce que je trouve la pose plutôt sympa. Et donc du coup, voilà, je voulais vous montrer en détail comment le faire. C'est-à-dire comment passer de mon ancienne pose, qui a déjà repoussé un petit peu, vers cette nouvelle pose de manière vraiment très simple et très rapide. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, donc on va travailler, bien sûr, on va commencer le travail par se nettoyer les mains. C'est important de toujours se désinfecter les mains et désinfecter les mains de votre cliente. Alors pour celles qui se demandent comment se passent mes formations, eh bien c'est des vidéos qui sont vraiment faites comme ceci, donc de bien près, où on voit bien les détails. On voit bien voilà, tout ce qu'il faut faire. Et donc du coup, pour celles qui se disent, mais Nathalie, j'ai peur de ne pas y arriver à distance, eh bien si, vous verrez vraiment de très près, encore plus près que ce que vous auriez vu avec une formatrice. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que vous avez un accès illimité aux formations. Donc dès que vous avez un doute, vous y retournez. Donc voilà, dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé, on va faire donc un petit remplissage avec ce petit effet qui est ultra tendance en ce moment. Et donc j'ai fait mon petit mélange de paillettes maison. Voilà, avec simplement des petites paillettes violettes. Donc le fond paraît violet, mais en fait c'est uniquement les paillettes qui donnent cet effet-là. Puisqu'en fait j'ai uniquement mis du gel, de l'acrygel et quelques paillettes. Alors je pense pas que ça va suffire pour toute ma main et la seconde, donc on va refaire le petit mélange ensemble. Donc pour cela, je vais prendre mon acrygel clear. Je vais en sélectionner un petit peu avec donc ma spatule. Alors j'avais utilisé de l'acrygel tout simplement parce que dans la nouvelle formation que je vais sortir prochainement, j'avais fait en fait sur cet ongle, c'est pour ça qu'il est plus court, parce qu'en fait j'avais fait une reverse, donc avec le rosé. Pardon pour la mise au point, une reverse avec le rosé, et en fait sur l'avant j'avais fait une French justement avec ces paillettes, et donc du coup je l'avais faite vraiment en pose ultra rapide, et donc du coup bah, j'avais pris de l'acrygel pour ça. Et donc du coup voilà, je refais le mélange tel que je l'avais fait à la base, mais vous pouvez très très bien le faire uniquement avec du gel transparent, ça fonctionne aussi. Je vous explique juste un petit peu voilà, le processus, hein, comment je l'avais fabriqué. Je refais dans les mêmes conditions. Donc je mets un peu de gel transparent et je vais reprendre quelques paillettes. Je bouge juste mon trépied, voilà, parce que je peux pas ouvrir mon tiroir du coup. Voilà, alors j'ai ces petites paillettes, donc violette et verte. J'ai également utilisé celle-ci, donc de taille moyenne, donc c'est des multicolores. Et également des plus grandes, si je les retrouve. Ouais, elles étaient tombées au fond de mon tiroir. Voilà, donc là, elles sont un peu plus grandes. Elles ont ce même effet un petit peu violet et vert. Voilà, je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Donc j'ai sélectionné trois tailles. Donc des toutes fines, des moyennes et des plus grandes pour avoir vraiment un petit mélange. Donc là, tout simplement, voilà, je vais prendre. Je vais en sélectionner un petit peu de chaque. Ouais, bon, ça devrait suffire. Alors, comme dit, hein, j'ai pas pu vous faire cette vidéo en live, donc je vous la fais ben, voilà, comme si on était en live. C'est-à-dire que je ne recoupe pas cette vidéo. Vous verrez vraiment tout de A à Z, comme je le fais dans les formations. Voilà, je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Donc maintenant, on va simplement mélanger. Alors là, je l'ai fait hein, sur un. Vous voyez bien, sur
enfin, on ne peut pas dire l'encapsulage, mais sur l'opercule, voilà, je trouvais plus le mot, pardon, l'opercule de protection d'un gel, tout simplement parce que voilà, je voulais pas le laisser dessus parce qu'en fait, sur ma petite plaque, j'avais fait d'autres essais que j'avais conservés sur ma petite plaque. Et donc, du coup, voilà, je l'ai juste fait là-dessus, mais en principe, j'ai une plaque en verre pour faire les mélanges. Donc voilà, là, j'ai fait mon petit mélange et on va le laisser de côté. Je fais tout tomber comme à mon habitude. Donc, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des ongles. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de repousser les cuticules. Alors, je ne vais pas le faire vraiment bien dans le détail parce que sinon, ça mettra trop de temps. Je vous explique vraiment en long, en large, en travers, justement, comment bien vous occuper des cuticules dans la formation. Mais là, on va vraiment le faire rapidement. Donc je vais commencer par les repousser. Avec donc mon repousse-cuticule. Attention, lorsque vous repoussez des cuticules, de ne pas y aller trop fort, mais pas non plus de les laisser coller. Il faut toujours essayer de les décoller quand même, hein. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, oh là, j'ai peur de faire mal, alors on n'ose pas et puis on fait rien du tout finalement. Il faut quand même décoller les cuticules. Le grand souci en général sur les poses, ce qui fait que vos ongles se décollent, c'est qu'en fait, vous ne traitez pas assez bien les cuticules. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer du temps sur les cuticules pour pouvoir bien les libérer et donc bien les repousser. Alors quand je dis les libérer, hein, c'est les décoller de la plaque. Surtout pour les personnes qui ont des ongles rongés, par exemple, où la surface est très petite. Et donc du coup, eh bien, ce sera essentiel d'avoir de la surface d'ongle. Ouais, donc j'enlève un petit peu, je gratte un petit peu. Légèrement pour enlever donc mon surplus de petite peau. Donc si vous êtes intéressé par une formation, j'ai un atelier en ce moment que j'ai sur ma chaîne YouTube en accès libre qui dure à peu près 2 heures et vraiment qui va vous apprendre tout ce dont vous avez besoin pour savoir si vous êtes fait pour ce métier ou pas. Donc voilà, je vous explique en long, en large, en travers plein de choses et je casse plein de peurs que vous pouvez avoir également. Donc je vais à présent utiliser un embout fin. Vous retrouvez ces embouts, de même que ceci également, sur la boutique. Donc ça vous permet en fait avec ces deux coffrets d'avoir vraiment tout le nécessaire pour vous occuper et des cuticules et de l'ongle en général. Voilà, on referme et on va allumer la ponceuse. On va venir passer dans les cuticules très doucement sur le contour afin de les nettoyer encore mieux. Mais attention, pareil, je vous explique dans la formation comment ne pas faire de trous dans l'ongle ou ne pas abîmer vos cuticules. Et ça, c'est très important. Si vous voulez que votre cliente revienne, il faut bien la traiter. J'aurai pas le temps dans cette vidéo de tout vous montrer, de tout vous expliquer. Je refais une petite mise au point, mais ce serait important de bien faire ce travail pour avoir des cuticules propres. Alors vous aurez deux options, soit vous pourrez
faire d'abord les cuticules et vous occuper de la surface dans un deuxième temps, ou faire l'inverse. C'est à vous de choisir. Ne négligez vraiment pas cette étape des cuticules. C'est vraiment important. Là, je fais vraiment la version rapide, mais je vous montre dans la formation comment faire justement pour faire vraiment des cuticules parfaites. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de vouloir faire ce métier, je vous offre également une formation d'initiation qui est offerte, qui se passe sur 7 jours et qui va vous permettre justement de savoir si ça peut vous convenir, si vous avez réellement l'envie de faire ce métier, vous reconvertir. Attention à la position également de votre embout au niveau de l'ongle. Ce sera important de bien le positionner. Voilà, je vais à présent changer l'embout, venir encore plus nettoyer. Donc souvent, en fait, vous avez peur de faire ces procédures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des forts risques de blesser la personne. Il faut vraiment procéder de la bonne manière pour éviter justement d'ouvrir la peau. Je pense que ça, vous l'avez vu plein de fois, des personnes qui avaient les doigts complètement ouverts après, à cause d'une mauvaise procédure. Et en fait, c'est comme tout, ça s'apprend. Alors vous le savez sans doute, en France, on n'a pas le droit de couper les cuticules sans le CAP. Maintenant, la législation est quand même floue quant au fait de les repousser et de faire de cette manière-là. Donc en fait, il n'y a pas de texte réellement qui va dire on n'a pas le droit de faire, de passer la ponceuse un petit peu sur la peau. Enfin, c'est pas clair en tout cas. Donc bon, tant que vous ne coupez pas les cuticules déjà. Et voilà, on va pouvoir à présent. Alors,
vais juste venir retravailler un peu l'autre côté. Parce qu'en fait, ça c'est aussi l'une des subtilités, c'est quand on veut vraiment bien faire les choses. Alors je voulais le faire rapidement, mais en fait c'est quand même toujours mieux de le faire, bien. C'est que vous avez un sens en fait de rotation, et on va changer le sens de rotation pour faire le second côté. C'est-à-dire que là j'ai fait ce côté, et maintenant je vais changer le sens de rotation pour faire l'autre côté. Et voilà, on va passer le clinard. Je vais juste voilà, éloigner un tout petit peu ma caméra. Voilà, petite astuce hein, pour que ce soit bien net au niveau des cuticules, on peut passer avec le pinceau un petit peu sous la cuticule. Voilà, ça nous permet de vérifier également si les cuticules sont bien propres, s'il y a encore des choses à rectifier. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper maintenant de la surface. Alors, je vais juste reprendre un petit carré de cellulose afin donc d'enlever l'excès de cleaner pour pouvoir bien voir ce que je fais. Je vais à nouveau changer d'embout et je vais mettre cet embout. Donc c'est un embout avec un grain relativement épais. J'aurais pu choisir un grain plus fin, mais en fait j'aime beaucoup utiliser celui-ci. Je l'utilise quasiment tout le temps et donc du coup ben, je vais utiliser quand même celui-ci. Mais alors pas trop fort, je vais être sur 25 000 tours. Je vais plutôt le mettre sur 35 000 tours lorsque je voudrais faire vraiment une dépose. Lorsque je veux travailler juste comme ça pour affiner un petit peu mon ongle, je suis pas obligée de travailler avec des rotations très très élevées. Et je passe donc sur le haut afin d'affiner vraiment bien le haut pour venir réceptionner mes paillettes. Donc j'affine un petit peu mon bord libre également. Je vais garder un léger sécheur sur l'avant, donc c'est pour ça que je reprends un petit peu l'ongle par en dessous. Alors l'objectif, c'est de faire un remplissage. Lorsqu'on fait un remplissage, on n'essaye pas forcément d'enlever toute la matière, on essaye même de conserver un bombé. Ah, donc je viens faire des lignes, j'essaye surtout d'enlever ma finition en fait. Alors là j'ai pas mis la ventilation hein, pour éviter qu'il y ait trop de bruit sur la vidéo, mais sinon bien évidemment n'hésitez pas à mettre la ventilation en route. Alors il faut savoir qu'il y a souvent un sens dans lequel moi par exemple hein, voilà, il faut savoir que chacune travaille comme elle le souhaite, mais moi en général je fais d'abord les lignes sur l'ongle comme ceci et ensuite je viens travailler sur l'extérieur ici, je viens bien nettoyer cette partie
je viens contre les cuticules parce qu'en fait c'est un embout. Voilà, on peut le toucher ici. Ici, je vous conseillerais pas de mettre votre doigt, hein, mais ici, en fait, les grains sont tellement fins qu'on peut toucher. Et donc, du coup, ça me permet d'aller contre ma cuticule et de bien faire le tour. Sans avoir peur de m'abîmer la cuticule. Donc, vous commencez comme vous préférez, hein. Si vous préférez commencer par la cuticule, comme dit, moi, j'affine à ce niveau-là parce que je vais y mettre mes paillettes, bien sûr, sans abîmer l'ongle, hein. On tient toujours la ponceuse de telle sorte qu'on ne va pas essayer de creuser ni d'être trop plat. On suit vraiment la forme naturelle. Je viens travailler le coin. Et je viens retirer la surface. Moi, depuis que je travaille avec une ponceuse, je travaille beaucoup moins avec la lime. Vraiment, voilà. La lime est devenue, je vais pas dire accessoire, mais presque. Parce qu'en fait, quand on maîtrise vraiment bien la lime, on peut gagner un temps fou sur nos poses. Et encore, hein, là, je le fais vraiment doucement pour que vous puissiez voir. Mais en temps normal, j'irai beaucoup plus vite. Alors, je vais raccourcir légèrement mes ongles également. Donc, je peux le faire comme ceci aussi. On va essayer d'avoir quelque chose de bien droit. Et là, on voit que c'est beaucoup plus épais sur l'avant, puisqu'en fait, j'avais fait un C-curve. Et donc, du coup, là, sur celui-ci, j'ai fait plus un bombé classique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plus limer sur l'avant pour affiner, forcément. Alors pourquoi j'ai les ongles aussi courts? Tout simplement parce que j'ai un bébé et puis je m'occupe beaucoup d'elle. Elle a 18 mois donc voilà, je l'allaite encore, donc je ne l'ai pas encore fait garder, enfin deux fois chez ma maman, mais c'est tout. Et donc du coup, voilà, c'est aussi ça d'être à son compte, c'est qu'on peut s'occuper de ses enfants tout en travaillant. C'est vrai qu'on a du coup une qualité de vie qui est assez extraordinaire, parce qu'on peut vraiment décider... quand est-ce qu'on décide de faire des sorties, des voyages, quand on pourra de nouveau. Et toutes ces choses. Alors on affine bien, on fait en sorte en vue comme ça, voilà, d'avoir un joli C à ce niveau là. Et on voit qu'il y a encore trop de matière ici, donc j'affine encore par ici. C'est important en fait que même quand vous faites un remplissage, vous ayez déjà une jolie forme, parce qu'en fait ça va vous faire gagner du temps par la suite.
Là, je repasse juste un petit peu sous les ongles pour les affiner. Je vais quand même garder un très léger quand même sécateur, mais vraiment très léger, parce que je trouve que c'est plus joli que d'avoir des ongles vraiment tout plats. Alors naturellement, mon index est très plat, comparé par exemple à mon annulaire, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc on va éteindre. Je suis désolée, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que si je l'avais recoupée, mais comme ça, ça me permet de pouvoir voilà, discuter avec vous comme si on était en live, vu que c'est un live que j'avais prévu de faire. Voilà, donc j'enlève la poussière. Je vais passer le cleaner à nouveau. Et on va pouvoir passer notre gel de base. Donc moi j'utilise la base épaisse clear. Alors oui, voilà, la mise au point ne se faisait pas. Donc la base épaisse clear, mais je vais l'utiliser avec un pinceau pour être bien, bien précise sur ce que je vais faire. Parce que sinon, on pourrait avoir un excès de produit. Donc en fait, je vais venir juste en prendre un peu avec mon pinceau. On va venir passer sur le haut, essentiellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va surtout passer voilà, en priorité sur les zones où il y a directement l'ongle naturel. Alors, comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de primer, de nail prep, parce que les produits s'y prêtent, mais également parce que voilà, j'en ai pas forcément besoin. On pourrait très bien aussi en utiliser, mais voilà, moi, j'en utilise pas personnellement. Alors attention de ne pas toucher les cuticules avec cette procédure. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi un pinceau, ce qui me permet d'être assez précise en fait sur ce que je fais. Des fois quand on a le gros pinceau du produit, on arrive à être moins précise. Je vais en reprendre juste un petit peu. Peu comme ça, c'est déjà un peu beaucoup, on pourrait en mettre même un peu moins. Donc le dernier, donc s'il reste encore quelques toutes petites peaux au niveau des cuticules, c'est pas très très grave, puisqu'en fait on peut repasser même dans un deuxième temps au niveau des cuticules pour encore les retoucher un petit peu, c'est tout à fait possible. Voilà, donc là je vous montre de près ce que ça donne en termes d'épaisseur. Voilà, alors c'est pas très joli, hein, mon bombé il est pas trop bien placé, mais vous allez voir qu'après en retravaillant ce sera tout bon. Voilà, je vais faire catalyser, alors je vous coupe quand même le temps de catalyse hein, pour vous éviter ça. Voilà, mes ongles ont catalysé, on va pouvoir passer à la suite en venant appliquer donc, nos petites paillettes sur les ongles. Donc je vais en appliquer sur le haut. Alors là, ce qui est un peu complexe, c'est les grosses paillettes. Parce qu'en fait, quand vous avez comme ça des grosses paillettes dedans, le problème c'est que ouais, elles s'appliquent pas forcément très très bien. C'est difficile d'avoir quelque chose de réellement homogène au niveau des cuticules. Parce qu'on veut vraiment avoir des paillettes qui suivent l'arrondi de la cuticule. Voilà, vous allez peut-être devoir les bouger un petit peu, les rapprocher si nécessaire. On va rester à peu près sur un peu plus d'un tiers de la surface. On peut légèrement
tirer, voilà, sans qu'il y ait trop de grosses paillettes, sinon ça se verrait un petit peu en dessous. Si on a des plus petites, à la limite, ce qu'on peut même faire, c'est grosse paillette, c'est de remettre des petites. Alors, elles sont ici. On viendrait en prendre un petit peu. On pourrait en remettre encore un petit peu par-dessus pour qu'elles soient suffisamment présentes. Un petit peu sur l'avant. Voilà. Comme si on viendrait finalement faire un baby boomer. On redescend un petit peu. J'ai mis beaucoup quand même des petites paillettes. On ne voit plus tellement les grosses. Et on va faire pareil sur les autres. Donc c'est pas du tout une vidéo qui à la que je voulais faire à la base, mais finalement, quand j'ai fait un test pour la dernière formation que je vais vous sortir, eh bien j'ai trouvé que c'était plutôt sympa parce que je suis pas trop pour les couleurs violettes, bleues, tout ça sur moi hein, personnellement. Sur d'autres j'adore ça, mais vu que moi je mets beaucoup de couleurs qui voilà qui sont pas du tout dans ces tons-là. Je me disais toujours que ça m'allait pas. Et puis au final, je me dis que là, on est sur du violet, mais ça reste quand même assez discret. Ça reste quand même, je veux dire, ça passe quand même plutôt bien. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, mettons un peu de fantaisie dans notre vie. C'est vrai qu'en ce moment, je fais des choses sur moi, hein, très très simples. Alors dans la vidéo, vous allez voir que je fais des choses vraiment très travaillées, mais la nouvelle formation que je vais vous proposer, mais c'est vrai que sur moi je fais des choses assez sobres pour tous les jours. En fait, j'adore les choses extravagantes sur les autres, mais sur moi-même je préfère que ce soit plus simple, comme dit pour ma fille essentiellement. Parce qu'avant elle, j'avais les ongles vraiment. Si vous regardez des vidéos d'il y a quelques années, j'ai vraiment les ongles très très longs, très travaillés. Voilà, mais après, si vous aimez comme moi des choses sur vous qui sont assez simples, sobres, qui passent bien au quotidien, ben voilà. Ou si vous êtes débutante également. Donc on va bien remonter avec les paillettes. On essaye vraiment de remonter au maximum pour pas avoir d'effet comme un effet de repousse déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, finalement, j'en ai fait assez, je pense, pour les deux mains. Donc c'est cool. Je pourrais faire ma seconde main après. Vais pas vous montrer les deux mains puisque déjà une, hein, c'est déjà assez long comme ça. Faut ne descendre pas trop bas. Celle-ci, je la replace vers le centre. On essaye vraiment de venir placer au maximum nos paillettes pour avoir quelque chose qui soit joli et homogène. Là, il m'en manque un tout petit peu ici dans le coin, je trouve. On essaie quand même de ne pas passer trop de temps sur cette étape et surtout de ne pas mettre trop d'épaisseur. Il faut vraiment que ce soit quand même relativement fin. Voilà, on voit quand même que qu'il n'y a pas trop de matière. Peut-être un peu à celui-ci. C'était le premier que j'avais fait, j'avais rajouté plus de paillettes. J'aurais pas dû le faire d'ailleurs, je vais en enlever un petit peu. Que du coup c'était suffisant.
Donc n'hésitez pas à revérifier vos ongles toujours avant de les catalyser. Ça vous permet de savoir si c'est tout bon, plutôt que de voir à la fin, mince, j'ai fait une erreur. Là, c'est trop tard. Il vaut mieux perdre un petit peu de temps maintenant que plus tard. Regretter. Donc on fait attention vraiment à l'excès de matière. Et quand ça nous paraît tout bon, eh bien, on va catalyser. Encore une fois, je vous coupe le temps de catalyse. Alors, juste ce que je vais faire, juste pour le dégrader un petit peu, je vais rajouter quelques paillettes sur l'avant. Qui vont coller puisqu'on a toujours le film de dispersion de notre base. Voilà, là, ça me semble correct. Donc, on va catalyser. Alors, je suis en train de faire catalyser ma main et j'ai juste une petite astuce pour vous. Il existe des petites lampes comme ceci que vous pouvez en fait venir accrocher à votre table. Et en fait, souvent, vous avez des problèmes de catalyse au niveau du pouce sur l'extérieur. Là, en fait, en venant positionner votre lampe comme ceci, en fait, vous pouvez, je sais pas si vous voyez la lumière violette juste là. Vous pouvez vraiment venir catalyser votre ongle parfaitement au niveau du pouce. Voilà, comme ça vous pouvez même bouger le pouce comme vous le souhaitez. Ça permet d'avoir vraiment une catalyse qui est uniforme. Ça vous évite, vous savez, d'avoir le gros pâté qui va couler sur le côté de gel. C'est pas du tout ce qu'on veut, c'est ce qui arrive souvent aux débutantes. Et donc du coup, on évite ça grâce à... Voilà, le fait de rajouter une petite lampe comme ça en plus. Alors par contre, elle reste allumée. C'est d'ailleurs une lampe qu'on va énormément utiliser dans la prochaine formation que je vais sortir. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup en pop-it. Et du coup, bah, lorsqu'on tient le pop-it, ce qui est génial, c'est qu'on peut venir hop, directement le catalyser comme ça. Et ensuite venir le relâcher. Donc voilà, c'était juste, hop, je l'éteins à nouveau, ma petite astuce pour vous. Donc, maintenant qu'on a fait notre dégradé en paillettes, eh bien, on va pouvoir utiliser le Magic Gel. Le Magic Gel, comme son nom l'indique, est assez magique et surtout, il a une couleur assez magnifique, je trouve. Donc, j'aime beaucoup, 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 beaucoup utiliser ce produit. C'est-à-dire que depuis que je l'ai, je crois que j'ai fait toutes mes poses avec, quasiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui le rend magique? C'est que lorsque on l'applique sur l'ongle, eh bien, il est stable, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'auto-égalise, mais finalement, très peu. Il reste quand même bien en place. Par contre, quand on va le travailler, comme vous pouvez le voir, il est fluide. Enfin, fluide, je m'entends, hein. Il se travaille vraiment très, très bien. Et donc, du coup, c'est juste un gel assez magique parce que il va vous permettre, bon, déjà de réaliser plein de choses, hein, mais de faire vos poses également assez rapidement puisque vous pourriez quasiment l'utiliser sur tous les doigts sans qu'il coule de trop. Donc voilà, ça c'est le côté un peu magique. Donc je vais remonter au niveau donc de mon ongle sans aller trop haut. Et je vais vraiment faire comme un effet de dégradé. C'est-à-dire que je vais mettre moins de produit vers le haut et plus de produit vers le bas. Alors, je vais faire exprès d'en mettre plus vers le bas. Ici, c'est pour ça que j'ai bien affiné avant aussi. Comme ça va me permettre de faire aussi un effet un peu C-curve. Attention juste à ne pas en mettre trop sur les côtés, mais on va en mettre quand même suffisamment au milieu.
Et je vais venir le faire en deux couches. Je veux pas le faire directement en une couche. Je pourrais hein, le laisser comme ça, ce serait déjà pas mal. Mais je veux un effet encore un tout petit peu peut-être plus opaque. Je sais pas, peut-être je vais le laisser comme ça. Mais dans ce cas-là, si je le laisse comme ça, je vais peut-être en rajouter un petit peu et je vais le catalyser rapidement. Je pense que je vais le faire en une fois, mais je vais catalyser doigt par doigt. Donc ce que je vais faire, hop. Je vais en mettre un petit peu plus de gel. On viendra le relimer après. Ce sera pas un souci. Moi, je le tire vers l'avant. C'est normal hein, d'avoir autant de matière. Voilà, on viendra affiner tout ça dans un deuxième temps. Je vais comme ça, alors je vais le retourner juste pour qu'il se place bien au centre. Et je vais comme ça faire tous les doigts. Donc je ne vais pas forcément tout vous filmer, hein, parce que sinon ça va être vraiment très long comme vidéo. Mais voilà, je vais simplement faire la même chose sur les autres doigts. C'est-à-dire venir appliquer mon gel et venir essayer de tirer de telle sorte, voilà, d'avoir la matière qui va se mettre sur l'avant. Voilà, et je vais le catalyser comme ceci. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fait toute ma main de la même manière. Et donc du coup, maintenant je viens prendre un gel transparent pour pouvoir passer sur le haut. Pourquoi? Pour justement qu'on voit bien toujours les paillettes et être au même niveau. Donc on va passer comme ça notre gel transparent près des cuticules. Donc c'est normal hein, que ce soit très épais à ce stade. Il n'y a pas de souci, on va justement rectifier tout ça dans un deuxième temps. Donc ouais, on vient rattraper le niveau. Et pareil, on va faire la même chose sur les autres ongles. On enlève l'excès de matière sur le reste, on n'en a pas besoin. Alors souvent, je vois chez les débutantes, un souci récurrent, c'est qu'elles veulent faire tout de suite parfait. Il faut que le résultat soit parfait immédiatement. Si c'est pas parfait, on ne catalyse pas. C'est comme ça en fait que vous perdez beaucoup de temps. Il faut surtout veiller à ce que vous n'ayez pas de gel dans les cuticules. Ça, c'est important parce que là, vous allez perdre beaucoup de temps après à le corriger, mais sinon, si votre ongle n'est pas parfaitement fait, c'est pas un souci parce qu'en fait, on va toujours pouvoir le relimer après. Et lorsque vous perdez beaucoup de temps justement sur cette étape, en général, vous perdez aussi beaucoup de temps au limage par peur, voilà, peur de que ce soit pas parfait et tout, ou par manque de technique. Donc là, manque de technique, ben ça va être une formation. Et par peur, il faut vraiment vraiment travailler sur cette peur pour éviter que vous passiez 4 heures sur vos poses. Voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, avant de catalyser, je vais juste vérifier si je n'ai rien dans les cuticules. Donc, je vérifie juste une seule fois. Je vais prendre mon bâtonnet. Et donc, je viens passer sur les côtés. Je vérifie. Vous voyez que je perds pas de temps, hein, on y va. Voilà, là c'était un petit peu nécessaire au niveau de la cuticule, mais les autres c'est bon. Et donc je vais catalyser. Donc pendant que ma main catalyse, j'en profite déjà pour ranger les gels que j'ai utilisés, dont je n'aurai plus besoin. Je prends également un petit pot. Alors ceux-là, je les ai trouvés sur Amazon pour pas grand-chose. C'était une dizaine d'euros les 10 pots, il me semble, 10 ou 15 euros, chose comme ça. Et en fait,
Ça me permet donc de récupérer les petits mélanges que j'ai fait. Puisque voilà, mon petit mélange là, je veux le garder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc. Hop, j'aurais pu le faire d'ailleurs directement dans le pot. Je viens comme ça récupérer mes paillettes. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et vu que j'ai une dizaine de pots, ben voilà, ça me permet de faire mes petits gels moi-même. Et ensuite de venir comme ça les conserver un petit peu. Le temps de faire la suite de ma pose. Ça évite que ça catalyse, d'autant plus que le soleil se rapproche de plus en plus. Donc j'avais vraiment peur que ça catalyse, sur la table. Donc voilà, là c'est protégé. Donc on va passer à la suite. Donc on va reprendre un carré de cellulose, notre cleaner. On enlève le film de dispersion. Et là, vous allez me dire, Nathalie, c'est une horreur. Et oui, tout à fait, ça ne ressemble à rien. Il y a des gros pâtés et c'est normal. C'est normal parce que on va maintenant travailler la finesse à la ponceuse. Donc ma ponceuse est pleine de poussière puisque je l'ai utilisée tout à l'heure et c'est pas fini. Donc je l'allume. Je la mets sur environ 30 000 tours cette fois-ci. Allez, soyons fous. 30 000 tours. Allez, 25 000 tours, ce sera bien. Voilà. Donc, je vais repasser sur la surface pour avoir quelque chose de bien lisse. Ouais, finalement, j'ai décidé de quand même plus partir sur un apex que sur un bombé classique. Donc, on va faire en sorte que ce soit bien lisse sur le dessus. Et je vais repasser en dessous pour affiner afin de redessiner un joli sécao. Une fois que mon sécurve est dessiné et qu'il me convient, je vais pouvoir affiner par-dessus. Je vais passer sur le contour. On affine les côtés. En sorte d'avoir un joli sécurve sur l'avant. On affine bien au niveau de la cuticule. Voilà. Et on va faire pareil sur les autres. Voilà, donc après avoir passé la ponceuse, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue relimer bien mes ongles. Donc, je les ai remis en forme. Je suis venue repasser un petit coup de lime sur la surface. Et je suis passée avec donc mon bloc pour finir. Voilà, on va enlever donc le film de dispersion, pas le film de dispersion, la poussière, pardon. Voilà. Et là, en fait, je me suis rendu compte que on voyait un peu trop les paillettes par rapport à ce que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris de la base épaisse naturelle.
Voilà, je voulais pas trop tout vous filmer parce que sinon ça aurait été trop long. Et donc du coup, je suis juste venue en remettre un petit peu à ce niveau pour venir encore fondre un tout petit peu plus. Donc je vous le remonte sur mon petit doigt puisque le petit doigt, je ne l'avais pas encore fait. Je l'ai juste passé avec la lime. Donc du coup, je vais prendre mon pinceau fin de nail art pour pouvoir venir tirer la matière pour ne pas avoir d'excès de matière sur l'avant et pour pouvoir bien la repositionner donc où je le souhaite. C'est-à-dire un peu plus sur cette zone puisque je veux fondre un peu plus. Donc ça, c'est une petite astuce si justement vous vous rendez compte à la fin que finalement, ben, c'est pas assez fondu. Vous pouvez toujours retravailler comme ça un petit peu. Donc soit avec la rubber base, soit avec le gel. Voilà. Et quand ça vous convient, eh bien, on va catalyser à nouveau. Et ensuite, on passera un tout petit coup de lime, puisque normalement, on ne lime pas trop la rubber base. Et ensuite, on passera la finition. Enfin, je viens juste bien la tirer sur l'avant pour avoir le moins de limage possible à faire. En principe, là, on n'a quasiment plus de limage. Pardon pour la mise au point. Et voilà, on va catalyser comme ceci. Voilà, ma rubber base a catalysé. Je vais maintenant donc passer le cleaner. Mon bloc. Pour à nouveau égaliser. Si nécessaire, on repasse un léger coup de lime. On fait un limage diamant. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire correctement un limage diamant, je vous l'enseigne dans la formation offerte de stylisme ongulaire, donc que vous recevrez dans votre boîte aux lettres. Pardon, dans votre boîte email, pardon, pas boîte aux lettres. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, hein. C'est ma fille, elle devrait dormir un peu plus, du coup moi aussi. Et du coup, voilà, vous recevez une vidéo par jour dans votre boîte mail. Et donc comme ça, vous pouvez suivre la formation donc à distance, à votre rythme, et la tester. Comme dit, hein, c'est une formation d'initiation. On n'est pas du tout sur quelque chose de professionnel dans cette formation d'initiation. Ça ne vous suffira pas pour en faire votre métier. Mais au moins, vous saurez déjà si ce métier peut vous convenir. Alors, je repasse une dernière fois pour affiner. Pouvoir donc bien enlever toute la poussière et passer notre finition et on aura déjà fini, enfin déjà c'est déjà pas mal hein. Elle a quand même duré un certain temps mais voilà on aura fini cette pose. Alors là, on n'est vraiment pas sur des techniques rapides, mais lorsque vous aurez l'habitude de travailler les techniques rapides, vous allez voir que vous allez tellement adorer ça que vous aurez du mal à revenir sur des techniques plus classiques.
Une fois que toute la poussière est retirée, on va pouvoir finir par la finition. Voilà, on va venir appliquer la finition shiny. On avance tout doucement, on essaye de ne pas prendre trop de matière. Je maintiens mes doigts très légèrement vers le bas pour éviter que ça coule dans les cuticules. Si vous préférez travailler doigt par doigt, ce sera tout à fait possible également. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'excès de matière. Et le dernier. Voilà, et quand ça me semble bon, eh bien, on n'attend pas trop et on va catalyser. Voilà, on va finir juste avec le petit stylo pour être bien précis au niveau des cuticules. Il me reste encore un tout petit peu de poussière sur les mains. Mais voilà donc le résultat. Je peux passer légèrement en dessous aussi. Ça me permettra d'avoir un plus joli résultat. Et du coup, quand vous faites des photos, pensez aussi à faire, voilà, à bien vous occuper du dessous des ongles. Parce que voilà, si déjà vous faites de belles photos, au moins qu'elles soient propres. Et donc du coup, là, ça vous permet vraiment d'avoir un joli résultat. Ouais, d'ailleurs, je vous montre également dans la formation comment faire de très jolies photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.